Hola. Flojita, ¿no? Il est sauvetage raté, hein. Ah oui, parce qu'ils étaient le traître en fait. Ah bon. Ils se font tous dans le jeu, donc... C'est là... Il va faire quoi? Ok, on est à l'arc du champion, ok. Donc, elle est loin. Il y a cette zone là qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est où? Ah oui, mais la carte n'est pas si grande que ça en fait. Bon, ça me dit pas où... Où est l'arc en fait? Ah là, ok. Mais... C'est bien de me dire... Voilà, ok. Ok, l'école qui est sauvée. On va aller chercher l'arc. Ouais, sauvée. Ouais, j'ai raté plein d'objets aussi. On a le choix, soit on va chercher l'arc, soit on fait le tombeau. Bon, enfin, le tombeau, on est à côté. Nous quittons la ville aux premières lueurs de l'aube, laissant à la hâte derrière nous la terrible épidémie qui s'y propage. Les cadavres et les mourants jonchent les rues et encombrent les ruisseaux. Beaucoup voient dans cette maladie une punition des dieux. Journal d'Adelantado Pérez. Oh, par là. Et ben, tiens, voilà comment réparer une porte. D'accord, dans toute la ville, il y a une seule porte. Il a fallu qu'elle éclate, quoi. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Tout est plein. Ok, hop. Et monter, descendre. Allez. Ou monter. Les deux ne sont pas très utiles en fait. Oh, ça va craquer. Quoi que ça va. Par contre là il faut faire un rappel, ok. La caméra elle est pas ouf là. C'est bien que je vois où je dois aller en fait. Je vais dire par là. Oh, caméra, que tu fous? Elle veut pas se lâcher en fait. Où je dois aller. La caméra, je vais pas montrer où l'endroit où je dois me rendre. Bon, allez. On va le réussir ce temple. Voilà, ce temple. C'est pas un temple, hein. C'est des ruines secrètes. Hop, hop.
Parce que d'ici, je vais voir où je dois aller. Non. Ah, mais il est... Non, pas. Ça m'aide pas. Pas là non plus. Ah merde alors. Bon, impossible. Je peux plus rien faire. Là on y arrive. Hop. Clairement, à gauche on peut pas aller. Y'a rien à gauche. Et à droite on vient de mourir. Tout à l'heure. Là, la cam, elle fait n'importe quoi. Ah, peut-être là. Voilà. J'avais pas vu ça. Ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière. Ah, donc c'est bien le temple. Pour commencer, j'ai eu de la chance tout à l'heure. Ah, sérieusement. Il est flou ce temple. Ce chemin est pas clair. Et visiblement on n'est pas encore à l'intérieur donc ça part pour commencer. On va par là. Ça descend encore. Mais bon. Sa main a traversé sa tête, c'est pas grave. On t'en veut pas là. Que j'ai vu depuis la rivière. Alors on est très content là. Ça ne me dit pas par où tu dois aller. Alors qu'à tout assez. Mais non, on ne peut pas assez loin. Alors pour recommencer. Pas le chemin, c'est sûr. Hein. Hop. Et la caméra, mais qui se passe tellement mal. Maintenant, je sais où je vais aller. Hein. Je vais faire ce petit morceau de pierre là. Ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière. Non, je sais pas. Bah non, même pas. Je vais pas y arriver hein. Non, faut monter.
c'est bon. Bon, se balancer, ça marche pas. Ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière. J'ai essayé de monter. Mais là, il y a une arme blanche. Ah, c'était tout simple en fait. Ça va faire compliqué aussi. Alors, bon, là, je me retends. Hein. C'est bon. Hop. C'est plein. Voilà, le sanctuaire commence. Demi-frère aîné des fameux jumeaux héroïques Maya, Unbats et Unshun étaient aussi jumeaux. Jaloux, les singes jumeaux trichaient systématiquement lorsqu'ils jouaient au football, jusqu'à gâcher les matchs en faisant preuve d'une trop grande agressivité. En représailles, les jumeaux héroïques les attirèrent en haut d'un arbre qui grandissait sans cesse, de sorte qu'Unbats et Unshun s'y trouvèrent coincés. Les jumeaux héroïques parvinrent alors à les convaincre d'utiliser leur ceinture pour redescendre, mais il s'agissait là d'une nouvelle ruse. Ces ceintures se transformèrent en queue, transformant de fait les deux frères perchés en singes. D'accord. C'était intéressant, dis donc. Bah, quand t'as fait tout ça pour avoir l'histoire de frères qui se transforment en singes. Non, pas le temps. J'ai dû arriver au bon moment. Les membres du culte étaient là il y a peu de temps. Un seul point, ça sert à rien. C'est pas l'histoire principale, hein. Non, l'histoire principale, elle est là. Ok. J'ai pris une route au hasard, hein. Il y avait un autre chemin de l'autre côté. Hop. Bon, je pense que je peux me la faire. Ah, mais c'était fermé en fait. Le hasard, parfois, ça fait mal les choses. Hein. Hop. 10% en plus. Seuls les êtres dignes peuvent invoquer Kinishaju. Servez-vous de sa lumière pour libérer votre cœur et la cité des ténèbres. Ouais, je serais comme sur le texte, c'est chiant. Ouais, je pourrais déplacer si. Incroyable. Ça doit être ici qu'ils font leur rituel en l'honneur du soleil. Ouais, non. Tout ça pour le soleil. Est-ce qu'il le mérite? Je trouve un moyen d'abaisser le pavillon central. Voilà. On est d'accord que tu fais ça. Voilà. J'ai aucune chance si je tombe dans l'eau. Ah. D'accord. C'est bien de prévenir d'avant. Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Abuse. Au moins, elle le dit quand je vais empêcher de sauter, mais. Non, il revient. Il bouge pas, celui-là. Par là. Je peux te faire bouger la lampe qui est là. C'est pas une lampe, c'est un miroir plutôt. Hop. Je peux sûrement tirer.
très bas celui-là. Ah, à moi. Ok. Tout soleil. Ouais, j'ai commencé par la fin en fait. Et là, quoi, l'eau, elle est trop sale pour toi? Il n'y a pas beaucoup de courant. Ok, sûrement un truc ici. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Sans déconner. Le canoë divin qui transporte les âmes mayas de l'au-delà vers les cieux est dirigé par deux dieux. La raie pagayeuse, assise à l'arrière, mène l'embarcation le jour, tandis que le jaguar pagayeur, à l'avant, prend la relève à la nuit tombée. Ces dieux symbolisent la lumière et les ténèbres, ainsi que l'interdépendance de toutes les forces égales et opposées. La raie pagayeuse. J'ai rien contre les dieux, mais... La raie pagayeuse, quoi. J'ai déjà fait un place même hein, la semaine dernière, donc c'est bon. Je peux encore en faire. Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Je sais, là. Ouais. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Ouais. Alors, revenir sur nos pas va pas être très aisé. Là, il y a les pics, donc je peux pas me... m'y mettre. Ah ouais, on retourne sur nos pas. Lui, il a forcément aller là. Sauf si j'ai de la rue, celle-là. Allez, c'est ce que je veux. Je vais tenter. Mais je crois pas trop. Il me fera rien. Allez. Parce que là, c'est vraiment pour celui-là. Merde. Bon, on va faire vite ce soir. Il remonte. Pensez que je peux passer. C'est des pics, je vais réussir à passer. Moi, on sait qu'on peut pas. On aurait tenté.
peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. T'es sûr? Ah, peut-être qu'on peut ouvrir un chemin ici. Encore une porte cassée? Elles sont toutes cassées, leurs portes. Ça, s'ils font claquer tout le temps, forcément. Bon, faut que ça se met pas. Elle l'a dit. On va tenter, j'ai fait une autre idée. Ouais, ça marche pas, hein. Ouais, d'accord. Tu vas pouvoir en faire bouger un autre comme ça. Non. Ouf, on a fait dans les yeux quoi. Là il bouge pas. Ah il bouge pas. Lui ne sert à rien. À part si avec celui-là. On va tenter, mais je ne crois pas trop. Je peux faire bouger le deuxième. Ce qui me fait que je pourrais aller vers le. Il est trop bas. Ok, il bouge. Ok. Sauf que maintenant j'en ai plus qui. Ah oui. C'est bon, je l'ai. Hop. C'est celui-là qui va là. Des fois il bloque quoi. Hop. Tournez là-bas. Là il bouge pas. Bon, okay. Ok, là il est placé. Parce que là on n'a plus besoin, donc on peut le déplacer. Ouais, c'est facile tout le temps, c'est pas marrant. Ça fait penser à Zelda, ça. Allez, je passe là. Voilà, je peux aller au troisième miroir. Je peux me faire descendre la plateforme et je peux revenir là où j'étais tout à l'heure.
peut savoir pourquoi? Un simple saut, c'est trop demandé. Je peux plus rien prendre. Un truc là. Pourquoi il a bougé lui? Ah, ce qui casse le... Ok. Moi il faut que je me mette ici là. Ok, ça sert plus. Même pas. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Sérieusement? Non. Par là. Accroche-toi. Ah. Je peux pas avoir la branche de là, si. Tu redeviens flou, Fonctuaire. Ah oui, je pensais que ce truc là-bas servait à quelque chose. Je vais sauter sur la branche et revenir sur la machine. Là, je peux me mettre. Ouais, donc celui-là est obligatoirement là. Celui-ci en a plus un. Il est obligé d'être sur celui-là. C'est utile pour celui-là. Ouais, ok. Faut mettre ce gars-là. Faut y mettre le deuxième sur celui-ci. Faut y mettre le premier sur celui qui est là-bas. De l'autre côté là. Oui, celui-là je le bouge et je le mets sur ce pont là et je peux passer. Et je pourrais déplacer celle du milieu. Ok, elle reste en place. Là il brille. Il bouge. C'est bon. Il faut rien que le soleil. Voilà, c'est bon, là il bouge. Là je l'ai vu bouger. Hop, le deuxième sur celui à côté. Faut que plus que je me rate quoi. Hop. On peut dépasser celui-là. Qui va redevenir droit vers l'endroit où je dois aller. Il y a encore haut. Il va faire une galère pour revenir. Alors, à quoi tu sers toi? Assois. Autant être là, autant mal placé. Là, là. Ok, il n'y a plus qu'à revenir. C'est sympa, ils ont peint les planches.
trop perdu là, j'en parlais pas. Il faut pas que je fasse aller le rayon là. Ah bah c'est bon, il est. Donc là maintenant, même s'il y a des pics, je peux y aller. Bon, il y a une lampe UV au-dessus de moi, mais c'est pas grave. Ouais. C'est spécial hein, quand même, comme ça. Et voilà. Qui est-ce qu'on va avoir? J'ai plus qu'à trouver une sortie. Ah cool. Oui, on va les prendre. Il y avait un couloir près du quatrième miroir. Hein? C'est lequel, le quatrième? Alors, on peut toujours passer par là où on est rentré. Hein. Là, tombe pas. On recommence nous. Supposer que le quatrième c'est celui-là. 1, 2. Ah, ici c'est fermé. Mais effectivement, il veut bien plus loin. Peut-être rater un. Ah, mais j'ai dit tout à l'heure, oui, quelque chose, donc c'est peut-être dans celui-là là-bas en fait. C'est peut-être bien un couloir. On va commencer par celui-là. Ah, ici, y'a rien. Ah, on peut passer par là, non? On a le détruit. Oui, je l'avais raté. Shaq était un dieu très important chez les Mayas. Il leur enseigna les secrets de l'agriculture et veillait sur les récoltes. Il était associé à toutes les formes de la fertilité et régnait également sur les vents, la foudre et la pluie, celle-ci étant causée par ses larmes. Il était le protecteur des sources, des puits, des ruisseaux et des cénotes. Comme tout ce sur quoi il régnait, il était considéré comme bienveillant et nourricier, mais également imprévisible. Physiquement, Shaq était représenté comme un reptile doté de cheveux emmêlés et peint de blanc, rouge, jaune et noir, couleurs représentant le nord, l'est, le sud et l'ouest. Ça, c'est du dieu. Bon, ben, c'est pas ici. C'est sûrement là-bas. D'accord, qu'ici il n'y a pas de couloir. On voit pas de couloir ici. Là il y a bien un couloir, hein, mais il n'y a pas de sortie là. En même temps là on peut revenir facilement. Dès que tu passes un cristal, ça change un petit peu celle-là. Là, on est au premier, donc limite, on contrôle pas. Hein.
il est placé. Y a pas un chemin par là? Bizarre. Bon. Et sinon plus, il n'y a pas de couloir. Il y a un petit trou dans le mur. C'est pas un couloir, ça. Où est-ce qu'elle l'a vu, son couloir? Il y avait un couloir près du quatrième miroir. Ouais, je suis d'accord avec toi. On était tout à l'heure au quatrième miroir. De feu de camp, feu de camp. En fait. Y'a rien d'ailleurs. On dit quand même pas que c'était là où c'était tout à l'heure. Mais y'a rien. Je suppose que par là je peux le placer en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de passer par là? Il y avait un couloir près du quatrième miroir. Ouais. Non, viens d'où? Il y avait un couloir près du quatrième miroir. Ah, je suis entré tellement facilement que je ne sais plus par où je suis passé. Ok. Sauf qu'il n'y a pas de couloir en fait. On en revient. Non, c'est bon. Je pensais qu'on pouvait se TP quelque part, mais non. Peut-être feu de camp, feu de camp. Bon, là, il n'y a pas de couloir. Là, il y a un couloir, mais il ne mène nulle part. Elle le dit plus. Je sais qu'il y avait un trou et pas, je l'ai pas vu. Il y avait un couloir près du quatrième miroir. Et là, elle le dit plus. Voilà. J'ai regardé partout sauf en l'air, c'est malin. Ça pour ça. Attends, on est encore sauvé.
On n'a plus notre tyrolienne en fait. Oh putain. Ça va aussi bien à Manu quoi. J'ai quand même l'impression de retourner dans le sanctuaire. Toujours aussi flou ce truc. Voilà. On se balance. Où est-ce qu'on va attirer? C'est bon, on l'a fait le temple. Hein. Ah, j'ai peut-être pas pris la stèle du tombeau. Oui, il y aurait deux tombeaux. Ok. Ah, une carte. Bah, ouais. 24 novembre 1603. J'ai accompagné Andrés López, un groupe de 12 soldats et 2 molosses à travers la jungle. Les directions fournies par les jésuites au Trinitaire étaient parfaites et nous avons trouvé la cité perdue sans aucun mal. Les habitants nous ont accueillis avec méfiance, mais nous les avons couverts de cadeaux et ils ont fini par nous laisser entrer dans la ville à contre-cœur, même s'ils ne connaissaient pas nos véritables intentions. López a commencé à chercher l'artefact pendant que nous détournions l'attention des dirigeants de la cité. D'accord. Bon, ben après ce sanctuaire de soleil, on va se laisser là et on prendra l'arc la prochaine fois. Et juste voir où est-ce qu'on va revenir.